J'ai trouvé, c'est par là. Faut pas qu'il s'échappe. Faut pas qu'il s'échappe. J'ai trouvé. J'ai trouvé! Attends! Ah! En formation, vite! Ah! Ah! Ah!
cliente, cher client. Localisé à ses parents par là. Faut pas qu'il s'échappe. Commandeur centre de renfort. Je vais aller voir. En formation, vite. Commandeur centre de renfort. Localisé à survivant. Faut pas qu'il s'échappe! Faut pas qu'il s'échappe! Je l'ai trouvé! Il est parti par là! Thank you.
C'est ton mec. J'ai localisé un survivant. C'est ton mec. Demandeur tente de renfort. Demandeur tente de renfort. Je crois qu'il y a quelqu'un. J'ai trouvé. En formation, vite. Thank you.
Alors, ce médoc contre la croissance des parasites. T'as déjà fait ça avant ou c'est juste de la théorie ? Quand je travaillais au labo médical, mon frère m'a demandé de trouver un moyen de stopper le parasite. Bien sûr, à l'époque, on ne prélevait pas les hormones à la source. On les synthétisait au labo. Ah. Donc, il cherchait un moyen de se protéger de son propre plan. Il se gardait une porte de sortie. J'en sais rien. Je sais qu'il n'a pas apporté le remède ici. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il comptait faire avec. Tu crois peut-être que je suis pas sincère, mais Carlito me cachait des choses. Même si t'arrives à faire ce médicament, ça me guérira pas entièrement. Je me trompe. J'ai bien peur que non. Quand son effet cessera, le parasite poursuivra sa croissance normale et la zombification reprendra son cours. En gros, je suis bien dans la mouise. Enfin, t'es le seul espoir qui me reste maintenant. Pour le matériel, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il nous manque plus que les rênes. Ouais. Dis-moi. Ton médoc devrait me faire tenir combien de temps avant que je devienne un cadavre ambulant ? Au cours de mes recherches, j'ai jamais eu l'occasion d'effectuer des essais cliniques. Et en plus de ça, la durée des effets doit dépendre du patient et de sa physiologie. Donc, peut-être un an. Ou juste une semaine, il n'y a aucun moyen de savoir. Eh ben, c'est super. En gros, je suis une bombe zombie à retardement. Une bombe à retardement ? Quoi ? Une fois le médicament mis au point, mon frère s'est concentré sur la création d'une organisation d'aide aux orphelins de guerre. On avait préparé 50 doses de ce remède. Et peu de temps après, l'association a trouvé des logements pour un certain nombre d'enfants. À ton avis, ils étaient combien ? Putain, merde. Tu veux dire qu'il a infecté ces gamins et qu'il leur a filé ton remède ? Qu'il a fabriqué 50 bombes à retardement ? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais oui, c'est possible. La vache. New York, Washington, LA, ces mômes sont partout dans le pays. Si ta théorie est exacte, tout le pays est peut-être déjà infesté de zombies à l'heure qu'il est. Je sais pas ce qu'est le pire. De pas être sûr ou de pas pouvoir prévenir qui que ce soit. Je sais. Mais là, pour le moment, la seule chose qui compte, c'est d'empêcher que tu te transformes. Oh non, le jet... Il doit y avoir un général... Est-ce que t'es prêt, Franck ? Il faut que t'ailles à la tour de l'horloge. Je peux rien...
Oh non, il doit y... Est-ce que... Le passage mène hors d'ici. Je doute que ces zombies nous laissent passer tranquillement. Génial, t'en as trouvé un. Je vais...